Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur Gangstar Vegas, le dernier épisode de Gangstar Vegas et le dernier épisode de la chaîne. Voilà. Donc je tourne cette vidéo à la suite finalement parce qu'au moins j'ai le contenu directement. Et c'est parti. Je fais un carnage. Donc l'objectif de cet épisode, d'avoir les 5 étoiles. Regarde, il me tire dessus là. Tu veux que je te tue toi? Je vous ai pas montré les armes que j'avais, mais j'ai de très bonnes armes, voilà. Alors, j'ai amélioré cette arme au maximum. Donc après, je vous montrerai ce qui est des armes. Voilà. On va tuer ce mec-là qui m'énerve. Voilà, merci Jean-Claude. Tu m'aides beaucoup. Alors, je vais vous montrer les armes pour ce dernier épisode que j'ai économisé, comme ça fait un moment que je n'ai pas montré Gangstar Vegas, que ça fait un moment que je n'ai pas joué à Gangstar Vegas, et maintenant je vous montre. Donc déjà, j'ai la meilleure arme qu'on peut acheter facilement. Pour ce qui est de ces armes, voilà, la première arme qu'on a, je l'ai améliorée au niveau 3, donc ça faisait 20 dégâts. Maintenant, cette arme-là, que j'avais acheté à 7300 €, je me dis ouais super l'arme, je l'ai amélioré au niveau 3 et c'est arrivé à 260 dégâts, c'est juste magnifique. Bon, bien sûr j'ai eu cette arme ci qui est qui est entre nous l'arme extraterrestre, hein, voilà. Ensuite, pour ce qui est de cette arme, voilà, donc on va tout de suite passer à ça. Ça, c'est une arme qu'on a quand on est VIP. Et bien, je l'ai eu grâce au... prêt de Gange, voilà, grâce à ça. Grâce à ça, j'ai pu l'acheter. Donc c'est très pratique. Oui, en fait, c'était bon, un truc, mais bon. Donc, j'ai cette arme qui fait quand même 71 de dégâts, c'est pas mal. Et en plus, une mitraille, donc ça fait bien mal. Maintenant, cette arme-ci, que j'ai déjà bien acheté, je précise, qui est un petit peu comme cette arme-là, mais qui fait deux fois plus de dégâts. Je l'ai amélioré au niveau 2. Non, c'est pas moi qui l'ai amélioré au niveau 2, c'est amélioré tout seul. Je vois pas. Je l'ai amélioré au niveau 3, qui est 510 PV. C'est beaucoup. Je néglige pas le 510 PV. Ensuite, pour cette arme là, voilà, pas plus. Je crois qu'au dernier épisode j'avais cette arme, 302 dégâts, toujours l'arme extraterrestre. Pour ce qui est des snipers, je l'ai amélioré aussi, niveau 3, cette arme, je l'ai amélioré au niveau 3, et ça fait 900 dégâts, c'est énorme, ça fait 1000 dégâts à peu près, c'est énorme. Ça fait à peu près le dégât de cette arme là, qu'il faut faire beaucoup de trucs, et c'est énorme. Pas négligeable. Ensuite, pour ce qui est des sortes, on va dire bazooka, je me suis acheté celui-là qui fait 1 066 000 €, plus cher de ceci, et qui fait beaucoup mal. Là on dirait pas 90 de dégâts, mais en voyant le stock, tu peux avoir de munitions, tout ça, et que quand tu tires à la seconde, tu tires le mec en 2 secondes, c'est magnifique. Bon, ça j'en parle pas. Ça, chaque fois que je vais sur ce truc, il fait bugger 9 millions. 10 millions, quoi. C'est énorme. Impossible d'acheter. Déjà que ça m'a énervé les communautés pour la vieille chasse. Alors ça, j'en parle pas. Alors pour ce qui est d'ici, bah, la coiffure normale. Non, pas cette coiffure. Je sais même plus quelle coiffure. Voilà, c'est celle-là. Et moi, je l'ai en marron. Voilà, je l'ai comme ça. Et j'ai mis, pour faire plaisir, des petites lunettes de soleil. Je pourrais les mettre en or, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est beau. Ainsi que pour ce qui est du torse, tout ça. Je l'ai gagné ça grâce au personnage. Où il y a des petites balises au-dessus de la tête, là, où on peut remporter des trucs. Ah, ça, c'est pour la Saint-Patrick, ça. Ouais, bah je peux pas l'acheter. C'est chiant. C'est dégueu ça. Voilà.
Ah, mais il y a plein de nouveaux trucs là. Bah, ça c'est pas joli. Hein. Voilà, donc j'ai. Ah, mais c'est celui-là que j'ai. Je crois que j'avais autre chose. Moi. Ouais, bon, je sais pas. Pour ce qui est abri du bas, qu'est-ce que j'ai pour. Qu'est-ce que je suis en train de porter? Je suis en train de porter celui-ci. Mais j'ai gagné celui-là, qui est meilleur. Pas très joli, qui est quand même le pantalon militaire. Pour se fondre dans les militaires. Ensuite, voilà, donc je pense qu'on a fini. Donc je regarde un petit truc. Voilà, ouais. Donc il faut 17 de diamants. Donc on va faire cette mission là pour le plaisir. Allez, on fait la mission. Je sais même pas si on l'a fait cette mission. Donc je la fais. Même si on l'a fait, on la fera deux fois pour le dernier épisode de Gangstar Vegas et pour le dernier épisode de ma chaîne. Bah bon, on va passer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et ça bugue. Non, je rigole, ça va bugger. Voilà. Tu me dis qu'il faut y aller à pied. Ok, d'accord, tu vas te faire foutre du volet une voiture. Hein. On va pas que ça foutre. Hein. Alors, voiture. Ouh, c'est pratique ça. Ça va vite. C'était bien pratique. Oh, Jean-Claude, là. On se calme. Oh. Il va redémarrer, là. J'ai dit qu'on va s'arrêter. Voilà, merci. Voilà. Allez, c'est parti. Il me fait quoi là au juste? On zigzag entre les voitures. Il a fait la Bugatti Veyron, mais je m'en fous réellement. Parce que là, pour ce qui est de là, je vous ai pas montré les voitures, mais j'ai les voitures les plus puissantes du jeu. J'ai la Bugatti Veyron, j'ai la voiture de rallye qui va à 300 km/h. C'est pas beaucoup, mais bon. Pour ce qui est du jeu, on va dire. Alors, je vais essayer de bien la faire, la mission aujourd'hui. Et on va tuer. Pour être très discret, on va tuer au sniper. Mais c'est des policiers en plus. Ouais. Ah, il m'a vu. Je vois pas où il est. Il y en a deux en bas. Vous allez voir que c'est mal. Voilà, ça fait très mal. Ah, bah, je suis pas en train de tirer sur lui. Attends que je descende en bas, toi, parce que t'es en train de me faire bouger mes munitions. Là. Thank you. Voilà, on va remettre. Ils ont bien mes services, ces idiots. Voilà, on va essayer de bien la faire. Elle est à nord. C'est pas à nord. La dernière fois que je l'ai fait. Non, c'est pas à nord, c'est le reflet. C'est le reflet. Du soleil. What the fuck? Allez, on y va. Youpi! Youpi! On a 9 minutes de vidéo, voilà. Pour bien sûr la fin de Gangstar Vegas. On va passer devant la tour Eiffel. Le beau symbole de la France. Il y avait gars. Désolé, j'ai fait un problème à la gauche. Allez, on a 1200 mètres, c'est trop loin. C'est le nombre de mètres que je dois faire pour aller au collège, même encore plus. Donc c'est du grand n'importe quoi. Hein.
On va essayer de bien faire. De bien faire. Voilà, ce qui est pratique dans cet avion, même si t'atterris très très mal, t'atterris quand même. Ceci n'est pas du tout mal. Donc, est-ce un dernier diamant? Ben, non. Non. Ouais, plus bas. Énorme plus bas. Donc, allez, on part pour la table, pour les dernières minutes de la vidéo du poker. Allez. On va gaspiller tout notre argent. Je m'en fous royalement. Allez, distribuer. Je sais même plus comment on joue. Ouais. Pas mal, 10 000. Merde! Oui. Regardez, regardez. Je garde les meilleures cartes. Ouais, 10 000 balais ou mieux. Ah, j'ai deux fois Queen. Voilà. Aïe. On a bien notre argent là, c'est magnifique. Ah, je fais que gagner 10 000, c'est magnifique. Bon, allez, on va encore faire un et on arrêtera la vidéo là. Allez, un dernier. Voilà. Allez. Ben. Super le nombre de sous qu'on peut gagner là-dedans. Distribuer. Yeah. Yeah. Oh bon, allez. Ça va m'énerver, il faut arrêter la vidéo. Donc, moi je vous dis merci d'avoir écouté cette série qui est Gangstar Vegas. Je vous dis aussi merci d'être abonné à la chaîne. Donc quand je dis l'arrêt de la chaîne, c'est je peux refaire des vidéos sur la chaîne, c'est pas négligé, mais ça sera pas dans l'immédiat. Donc ça serait pas des vidéos que je ferai dans l'immédiat. Voilà, donc ce ne serait pas des vidéos que je ferai dans le mois, ça veut dire, voilà, si vous préférez. Donc peut-être dans 3 mois, je peux sortir une vidéo, bam, comme ça. Une vidéo par là, voilà, mais... voilà, je peux sortir une vidéo comme ça. Je sais plus quoi dire. Donc moi, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ben, je vous dis pas à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, mais moi, je vous dis... au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai jamais dit que je resterai YouTube. Donc moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Si en fait j'ai dit que j'ai arrêté YouTube, mais bon. Je vous raconte du grand n'importe quoi. Allez, bye bye et au revoir. Et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.